question qui est posée dans la vidéo, c'est est-ce que la blockchain va finalement supprimer les tiers de confiance? Donc la blockchain amène la signature numérique, DocuSign peut amener une signature légale. Parce que justement, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui légale à l'enregistrement écrit sur la blockchain. C'est pour ça que c'est complémentaire. Non mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Mais il y a bien une sécurité technique qui n'est pas une sécurité juridique. Il ne faut pas forcément confondre dans les deux. Donc l'objet de mon intervention, c'est de positionner finalement Microsoft. Qu'est-ce que vient faire Microsoft dans cette histoire de blockchain? Vous avez ma présentation Blockchain Platform at Microsoft. Donc on est un échange plateforme. Vous allez voir qu'on est plus amené, même si la blockchain avant tout est une question plutôt métier, à un moment donné, pour faire, il va falloir remettre les mains un petit peu dans la technologie, avoir besoin de plateforme. La blockchain n'est qu'un ingrédient d'une application beaucoup plus large. Donc là, je vais essayer de vous expliquer, sans rentrer trop dans les détails techniques, quelle est un petit peu la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter à des développements autour de la blockchain, de cas concrets. J'ai appelé cette présentation de Bletchley. Alors si vous tapez Microsoft Blockchain, vous pouvez rapidement tomber sur ce terme un petit peu bizarre. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce terme-là. Fait un petit peu de recherche. Donc à l'origine, c'est Bletchley Park. Hein. C'est là où Alan Turing a contribué à casser le code Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le patron de la stratégie blockchain s'appelle Marc Legré, c'est un fan de crypto, un fan de crypto-roman. Donc beaucoup de ces noms de code sont issus un petit peu de cette mythologie liée à la cryptologie. Et donc, il a matérialisé un petit peu la vision que je vais essayer de vous présenter ce matin autour d'un livre blanc. Alors il est pas en anglais, il est traduit en français. C'est un livre blanc un petit peu technique, hein, pas trop, mais qui donne un petit peu la vision où on veut aller, c'est-à-dire quelle pourrait être la valeur ajoutée de Microsoft. Et c'est un livre blanc qui est publié sur le site GitHub. C'est plutôt un site de développeurs. Donc les références sont à la fin. Alors, pour essayer d'articuler un petit peu comment on articule justement notre stratégie blockchain, on a trois approches. La première, c'est une approche très humble et pragmatique, hein, tester, faire, exactement ce que vous a dit Frédéric tout à l'heure, où là on est plutôt en mode développer avant. Donc, on essaie de collaborer avec des startups, avec des clients, avec des partenaires pour faire notamment des projets ou des POC. On est beaucoup dans une phase d'apprentissage aujourd'hui. La blockchain, c'est un sujet qui est nouveau, qui est encore mal appréhendé. Il y a besoin de tester, d'apprendre, d'échouer si possible vite et à coût le plus faible possible. Donc on est dans cette phase d'exploration également un petit peu technique. Ça nous permet aussi, cet engagement, de pouvoir mieux comprendre les besoins qu'ont exprimés nos clients. Et justement de voir comment, notamment au niveau de notre plateforme qu'on appelle Azure, notre plateforme de cloud, quels sont les assets qu'on peut mettre à disposition justement pour faciliter le développement, le test, l'usage, le déploiement de projets incluant une dimension blockchain. Donc c'est ce premier niveau, hein, ces fondations. Qu'est-ce qu'on peut poser comme fondation pour pouvoir héberger certains briques, certains éléments d'un projet blockchain? Deuxième étage de la fusée, c'est la blockchain, vous avez vu, c'est ce registre, c'est ce protocole distribué qui va finalement asseoir une version d'information non répudiable, distribuée, mais encore une fois, dans un projet, cette partie registre, comme une base de données, n'est qu'une toute petite partie d'un projet de supply chain, d'un projet IoT, d'un projet de loyalties, par exemple. Donc il y a tout un élément autour du système d'information, des briques, autres briques techniques, qui peuvent être capables de faire interopérer, si possible, de manière la plus sécurisée possible, avec la blockchain, cet élément blockchain. Il y a un très bon exemple, par exemple, c'est, vous avez les oracles tout à l'heure. L'oracle, on déporte le tiers de confiance. Pour faire confiance au contrat, il va falloir aussi faire confiance à l'oracle, puisque l'oracle va injecter des paramètres qui vont influencer l'exécution de ce contrat. Si j'arrivais par exemple à triturer les informations de vol, ou les informations d'indice, ou les informations, je pourrais injecter des fausses informations. Donc c'est pas parce que j'ai une source qui est de confiance que la chaîne technique qui me permet de dialoguer avec cette source va être la même sécurisée. Donc on a une vision pour essayer d'amener une espèce de deuxième niveau à la blockchain, sous forme de services, sous forme de briques, de fonctionnels, qui vont venir communiquer de manière sécurisée avec la blockchain. Donc c'est un petit peu le deuxième étage que j'ai appelé middleware, hein, c'est quand même un peu technique, où là, la plateforme Azure, les services existants, de gestion des secrets, de gestion d'identité, de système d'analyse de données, de système de visualisation de données, pourraient être tout à fait très intéressants à ajouter à ce premier niveau qu'est la blockchain. C'est un petit peu cette vision-là. Donc, sur le premier niveau, on a publié un certain nombre de projets. Tout à l'heure, Frédéric vous a parlé de WebJet. Hein. Donc là, je partageais bien évidemment cette présentation. Il y a derrière une URL, derrière chacune de ces press releases. Je n'ai pris que des références publiques pour vous montrer un petit peu l'ambition et les projets concrets qui ont été développés par Microsoft et un écosystème, donc dans le domaine de la gestion d'identité, dans le domaine du public finance, dans le domaine du tourisme, comme on l'a vu tout à l'heure, et ainsi de suite.
On a fait aussi, je passe rapidement parce que c'était un petit clin d'œil, hein, on était assez contents, là c'est pas vraiment des projets, c'était plutôt un hackathon, plutôt d'époque, hein, l'idée c'était plutôt de faire cette acculturation, et lors de notre grand événement technique qui s'appelle MS Experience, de pouvoir présenter finalement une sorte d'exposition avec des cas concrets d'usage qui ont été développés au cours du mois de septembre. Donc c'est plutôt d'époque, hein, c'est pas réellement des projets pour l'instant, mais vous voyez un petit peu les cas d'usage qui ont été développés avec les écosystèmes et les clients qui ont été impliqués dans ces POC. Alors je passe rapidement pour vous dire maintenant concrètement qu'est-ce qu'on va proposer. Alors, un terme très marketing qui s'appelle blockchain as a service, vous savez qu'on parle de cloud, tout le monde as a service. L'idée est de pouvoir, non pas aller créer nous-mêmes, quand j'ai nommé Microsoft une technologie blockchain, on ne va pas essayer de concurrencer, de réécrire un Hyperledger, de réécrire un Ethereum, de réécrire un XT, de réécrire une nouvelle pile de blockchain. Elles existent, il y a des écosystèmes open source qui sont très actifs. Là, ce qu'on veut permettre de faire, c'est de vous permettre très facilement, avec justement les avantages d'une plateforme de cloud publique, hein, avoir un catalogue de services, avoir des briques réutilisables pour que vous puissiez, dans un mode d'apprentissage, dans un mode de lab, de test, dans un mode, pourquoi pas, de POC un petit peu évolué, pouvoir très facilement, en un clic quasiment, déployer ces piles de technologies blockchain qui existent. Et pouvoir les utiliser en ne payant, ça c'est la logique du cloud public, hein, en ne payant que ce que vous utilisez. Facilité de déploiement. Alors, comment on travaille? On n'a pas voulu justement choisir un gagnant. Donc on a appliqué la même stratégie qu'on a appliquée pour toutes les autres technologies open source, hein, donc elles sont au niveau des bases de données, des middleware développement, des langages de programmation, des plateformes, clients ou serveurs, se dire il y a un écosystème blockchain qui est en train d'émerger. Alors rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails. On a cité quelques-uns, mais vous avez quasiment toutes les semaines une nouvelle technologie blockchain qui apparaît, qui est plus prometteuse, on parlait d'IOTA, qui vous permet de meilleurs débits transactionnels, une meilleure sécurité, une plus grande facilité, une plus grande scalabilité, etc. Donc là-dessus, pour l'instant, on va dire, c'est cette blockchain qu'on va choisir. On met tout sur Hyperledger, on met tout sur Corda, on met tout sur Ethereum, on met tout sur MXT, on met tout sur Eris. Pour l'instant, on ne prend pas parti. On ne prend pas parti, on est quand même historiquement, et dans tous les projets qu'on fait, et dans les briques concrètes qu'on a commencé à délivrer, on est quand même assez proche d'Ethereum. Assez proche de cette blockchain qui supporte les contrats. Alors pourquoi cette approche blockchain as a service? C'est tout simplement pour vous permettre justement, dans cette phase un petit peu de test, de pouvoir tester, d'apprendre, d'échouer potentiellement, bah, le plus rapidement possible, quitte à se planter, il vaut mieux qu'on se plante vite, mais qu'on se plante à moindre coût. D'accord, que l'investissement initial pour faire ces tests, vous n'avez pas coûté trop cher, pour pouvoir provisionner les éléments techniques dont vous avez besoin de manière très rapide, pour pouvoir créer des blockchains différentes, du type public, participer à une blockchain publique, faire des blockchains privées, des blockchains à consortium. Hein, c'est juste le niveau des centralisations où vous mettez le curseur. Hein. Qui a le droit d'écrire dans la blockchain? C'est ça qui va définir qu'on est dans une blockchain publique, privée ou semi-privée. Derrière, bien évidemment, de pouvoir bénéficier pour une application, encore une fois, la blockchain est un ingrédient de cette application, de tous les services disponibles. Il y a aujourd'hui une centaine de services dans la plateforme Azure, hein, pouvoir faire des applications mobiles, pouvoir faire des sites web, pouvoir faire des analyses de données, avoir des bases de données, etc. Ce qui se passe avant la blockchain et ce qui se passe après la blockchain. La blockchain toute seule, ça ne fait pas une application. Et enfin, bien sûr, pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, penser mondialement, Frédéric l'a dit, donc l'infrastructure aujourd'hui Azure est présente dans 36 régions, dans le monde entier. Donc là, chaque lieu distribué à l'échelle du monde pourrait être tout à fait déployable sur une plateforme cloud comme Azure. Donc c'est un petit peu l'approche, la valeur ajoutée que peut vous amener une plateforme de cloud public sur le sujet blockchain. Alors après, si on zoome, je vais passer très rapidement, parce que là, c'est les éléments concrets de ce qu'on a aujourd'hui dans le catalogue, hein. C'est pas juste de la théorie. On a une première offre qui est sortie cet été, qui s'appelle DevTest Labs. Donc l'idée, c'est que vous avez un groupe de développeurs, vous voulez faire un POC blockchain, vous avez besoin rapidement d'instancier un environnement de développement, d'avoir des machines virtuelles, de pouvoir très rapidement, sur ces machines virtuelles, tester les briques blockchain que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre projet. Là, encore une fois, on ne prend pas parti, hein, on n'a pas aujourd'hui de préférence. Et donc vous avez, je vous montre juste un écran, vous avez voilà, le développeur qui dit ben moi je veux ma machine Ubuntu, ma machine Linux, et je veux tester, je vais un peu vite, et je veux tester, je sais pas moi, la pile Ethereum, ou la pile BitPay, ou la pile Monero, ou la pile Junkbox, ou enfin, peu importe. Là c'est les développeurs qui savent la technologie dont ils ont besoin et qui veulent tester dans leur environnement. Donc là en quelques clics, en quelques minutes, le développeur va avoir à sa disposition une machine virtuelle Linux contenant la pile blockchain qu'il aura choisie. On est dans une logique de dev and test. Deuxième approche, là c'est un peu plus récent, ça date de quelques semaines. On a commencé au niveau de ce qu'on appelle l'Azure Marketplace, c'est-à-dire le magasin d'applications, le magasin de solutions dans Azure, le magasin de catalogue de services. On a commencé à rajouter certaines briques blockchain.
Là, on est vraiment sur des solutions qui sont supportées, qui sont fournies par des éditeurs, par un écosystème. Donc je vais pas toutes les passer, évidemment, je vais focaliser sur celle-là. Aujourd'hui, dans tous les use cases qu'on voit, on voit beaucoup de use cases qui sont justement des blockchains à consortium. Imaginez demain, acteurs du retail veuillent se mettre en commun pour créer une blockchain pour justement gérer ces fameux points de fidélité, créer cette fameuse monnaie de marque dont parlait Frédéric tout à l'heure. Ben, à ce moment-là, vous pourrez très bien créer, chacun dans votre environnement, être responsable d'une partie du registre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'un des acteurs pour centraliser et créer et maintenir cette monnaie. Cette monnaie va être maintenue dans un registre et ce registre va être maintenu par tous les acteurs. C'est-à-dire si vous avez cinq entreprises entre elles, chacun aura par exemple une copie de cette blockchain, chacun va miner entre guillemets, on verra qu'on ne va pas faire du minage à Bitcoin hein, parce qu'on n'est pas sur une blockchain publique, on va être un peu plus raisonnable dans les coûts d'énergie, on ne va pas acheter un data center avec des fermes de serveurs et des processeurs graphiques, on va avoir d'autres algorithmes de création de consensus. Mais l'idée est quand même de mettre en commun ces ressources pour maintenir une blockchain de manière décentralisée. Mais pas publique, puisque ceux qui ont le droit d'écrire dedans seront les acteurs de ce consensus. D'accord ? Et donc pour ça, vous avez besoin d'une plateforme hein, pour instancier vos nœuds. Et donc c'est ce qu'on propose avec Ethereum Consortium. Vous allez, alors je vous montre rapidement, hein, c'est juste un écran. Un wizard, et en quelques clics, vous pouvez déployer toute une infrastructure. J'entre pas dans le détail, hein, c'est un schéma technique, mais c'est volontairement, je l'ai laissé. L'idée, et aujourd'hui, vous pouvez par exemple aller jusqu'à 120 machines. Imaginez, vous vouliez faire ça, toujours, je prends ces mêmes 5 acteurs, on veut faire ce POC, on veut simuler ce blockchain du consortium pour maintenir le point de fidélité. J'aurais besoin de 5 finalement sous-réseaux qui vont maintenir chacun leur minage. J'aurais besoin de Pronto pour faire les transactions, j'aurais besoin du compte de stockage, j'aurais besoin d'installer la pile, par exemple Ethereum, puisque c'est en l'occurrence Ethereum qu'on déploie. C'est à peu près, si vous voulez le faire un peu à la main, c'est 3 semaines de boulot, juste pour déployer l'infrastructure. Là, vous avez un modèle, un template, ce qu'on appelle un wizard de déploiement, et en 8 questions et quelques minutes, vous avez jusqu'à 120 machines qui sont déployées et qui vous simulent votre infrastructure distribuée blockchain. Donc l'idée ici, c'est pas de vous proposer une blockchain, là on utilise Ethereum. Donc là, on ne va pas réinventer la roue, hein. Il y a d'excellentes blockchains qui existent. On va simplement faciliter le déploiement pour des raisons de test. Et c'est jetable, c'est-à-dire que si c'est qu'un POC, le jour où vous n'avez plus besoin de cette infrastructure, c'est 120 machines qui ont été instanciées, vous les arrêtez, vous ne les payez plus. D'accord, c'est du on-demand, comme on dit en utilisant du vocabulaire cloud. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée du blockchain as a service. Là, je vais rentrer dans une deuxième phase, on est un peu plus dans la... pas prospective, mais plutôt dans la roadmap de ce qu'on est en train de développer, parce que pour l'instant, ce dont je vais vous parler n'est pas encore développé, il est juste matérialisé dans un deuxième livre blanc, qui est toujours sur GitHub, hein, et qui va introduire finalement cette notion de troisième niveau. Vous avez vu qu'il y a deux types de blockchain. La blockchain, vous avez le niveau, le simple registre, le fameux livre dans lequel vous écrivez. Le deuxième niveau qui est introduit avec les smart contracts, la blockchain est capable d'avoir aussi un moteur d'exécution de code, pour justement exécuter les termes d'un smart contract. Ça, c'est par exemple Ethereum. Mais quand vous voulez communiquer avec du code en dehors de la chaîne, ce qu'on tout à l'heure Frédéric appelait off-chain, vous introduisez finalement un troisième niveau, une sorte de blockchain 3.0, dans lequel vous avez besoin d'un mécanisme qui va permettre à ce qui s'exécute sur la blockchain de communiquer, par exemple avec un oracle, avec du code off-chain. Et là, l'idée de Microsoft, c'est de proposer un mécanisme un peu standardisé, à base d'un framework qu'on va développer et qui sera publié en open source pour assurer une communication sécurisée entre mon contrat qui s'exécute sur la blockchain et sa source d'information extérieure, qu'on appelle l'oracle. Alors comment ça va se passer? Je vais juste un petit schéma. À quoi ça pourrait être utilisé? À partir du moment où vous avez... Alors ça, ce petit symbole, c'est Ethereum. Hein, c'était juste pour symboliser le blockchain à smart contract et le registre distribué. Ce mécanisme qu'on appelait les cryptlets, hein, c'est le nom... Je vous ai dit, la personne qui écrit les papiers est très crypto fanatique, hein, donc il a appelé son mécanisme d'appel de code extérieur à cryptlet. Ben, ça va permettre justement d'avoir des sortes de prises un petit peu sécurisées, faciles à implémenter, faciles à intégrer, ben, pour pouvoir faire communiquer, pour que réellement ce registre-là soit réellement utile, puisse communiquer avec le système d'information. Il y a l'existant aujourd'hui, il y a des transactions qui existent, vous avez des bases de données, vous avez des systèmes de pilotage, vous avez des systèmes d'analyse de données, vous pouvez éventuellement demain vouloir piloter ce flux qui passe par la blockchain pour appliquer des heuristiques de machine learning, anticiper ce qui va se passer, ben, il va falloir faire communiquer ce registre-là avec une intelligence qui puisse exister dans votre système d'information. Donc c'est ce qu'on propose via ce mécanisme qu'on appelle les cryptlets. Donc je ne vais pas trop élaborer ça parce que
ça m'obligerait à être un petit peu technique, mais ayez ça en tête. La valeur ajoutée, c'est de vous permettre de déployer d'un clic depuis le blockchain existant et progressivement déployer du code qui va vous permettre de faire des choses beaucoup plus sophistiquées, marier un petit peu le sujet blockchain avec le reste du système d'information. Vous savez qu'on fait des signes. Alors, pour ceux qui sont intéressés, les gens techniques dans la salle, je mentionne le papier, ça s'appelle Crippled Deep Dive. On plonge profondément dans la technologie, on explique un petit peu plus en détail ce concept-là. Je vais passer deux minutes quand même sur un sujet qui est le troisième projet qu'on a. Kilakuta, c'est encore un terme issu d'un roman, c'est une île, sur un monde crypto-anarchiste, etc. Encore une fois, c'est au moins la culture de la personne qui gère notre stratégie. Tout à l'heure, Frédéric a parlé de The DAO. Le problème avec les smart contracts, c'est que c'est du code. Alors, c'est un avantage, parce qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut écrire des choses, tout ce que c'est faire un langage de programmation. L'inconvénient, c'est qu'on peut aussi faire des bugs. On peut aussi écrire du code qui a des failles. Après tout, c'est écrit par des humains. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec The DAO. C'est pas la blockchain qui a été hackée, c'est pas le Ethereum qui a mal fonctionné. C'est que le code, le contrat qui a présenté le smart contract qui avait été écrit par l'entreprise, enfin, c'est pas une entreprise, par cette organisation qui s'appelle The DAO, c'est modestement appelé The DAO en étant une DAO, c'est qu'un hacker a identifié un bug dans le contrat qui permettait de créer une sous-DAO et d'aspirer une partie des fonds qui avaient été mis dans cette DAO. Donc il a tout simplement appelé un bout de code de manière récursive et il a aspiré non pas 30 mais 60 millions de dollars sur les 160 millions de dollars qui avaient été levés par le contrat en 3 semaines. Donc ça c'est un petit peu perturbant. On dit qu'aujourd'hui il y a un code qui était propriété entre guillemets qui avait la responsabilité de gérer 160 millions de dollars qui ont été levés en 3 semaines. Là, sécurité juridique, les personnes qui prennent le risque, entre guillemets, d'aller mettre de l'argent dans ce genre de DAO, n'ont aucune protection juridique. Hein. Ceux qui auraient pu perdre cet argent-là, ils n'y a personne qui se retournait. Je porte un contre qui ? Contre le code ? Contre ceux qui ont écrit le code ? Contre ceux... Donc là, l'idée de Microsoft, c'est d'appliquer les technologies issues de nos recherches pour pouvoir appliquer des algos... Alors, je ne vais pas entrer en détail, c'est assez compliqué, mais des algos de preuve formelle pour essayer de vérifier qu'un code écrit fait bien ce qu'il est censé faire et qu'il n'y a pas de bot fonctionnel qui pourrait être exploité. Ça, on utilise déjà ces technos, par exemple, pour certifier des drivers techniques, pour pas qu'il y ait de bugs de sécurité. Donc, on essaie d'appliquer ces technologies issues de laboratoires à l'intelligence qu'on pourrait mettre dans un smart contract. Donc, en gros, vous donnez la boîte à outils pour permettre de sécuriser la logique d'un contrat intelligent. Parce qu'un smart contract, ça met plus rapidement de l'argent. Il disait tout à l'heure, éviter de l'utiliser sur la trésorerie, ça peut. Le bug, c'est ce qu'on appelle le 1 million dollar bug, ça peut vous coûter très vite très cher. Là, en l'occurrence, c'était le 60 millions de dollars bug qui a fait très mal et qui a fait couler beaucoup d'encre cet été. Voilà, donc on en est aujourd'hui, on a lancé cet été ce fameux Dev Test Labs qui permet très rapidement d'instancier des VM et de pouvoir tester plusieurs types de blockchain. Récemment, c'est ce fameux projet, on l'appelait BlackGBA, là, c'était le template de consortium, blockchain consortium pour Ethereum. En quelques minutes, vous avez une vraie infrastructure pour pouvoir déployer des POC sur l'Ethereum. Et on est en train de travailler sur livrer les outils, le fameux projet Kinakuta, pour pouvoir sécuriser, vérifier la logique d'un smart contract. Et un petit peu plus tard, on commencera à publier les frameworks open source pour pouvoir faire communiquer la blockchain avec le reste du système d'information de manière ultra sécurisée. Donc voilà un petit peu la vision, on apprend sur marchand, je le dis, c'est une vision itérative, humilité, on essaie de comprendre, de dialoguer avec nos clients, et au fur et à mesure, de manière itérative, de livrer les briques dont nos clients, nos partenaires ont besoin. Donc voilà, je pense que j'ai largement consommé mon temps. Je vous remercie, je serai encore là pour répondre à vos questions, s'il y en a.